C'était une bonne idée de faire un film avec un peintre. Les cadrages et la disposition des éléments sont trop bien pensés. C'est un film surréaliste de 1929, muet. Dans le dernier épisode de la saison 1 de Chroma, Karim Debbache propose que l'essence du cinéma se situe dans le montage. Faire une suite d'images. C'est le lien entre les images qui ferait le cinéma. Ici, c'est très vrai. Et le format film apporte une nouvelle dimension à ce que pouvait proposer Dali dans son travail. On entend des fois que l'absurde, c'est une absence de sens. Pour moi, c'est plutôt un sens qu'on n'arrive pas à comprendre. Et dans le moment où on essaye de comprendre et ça marche pas, là, il se passe un truc trop cool. Pendant Un chien andalou, l'histoire que je me racontais, c'est que les fourmis sont un mâle qui grandit en lui, il fait du mal aux autres, avec cette scène d'agression sexuelle, et ça lui pèse, il est puni, et après la suite se passe 16 ans plus tôt. C'est hyper sympa à regarder. Tu passes ton temps à te dire « Ah bon ?» À la fin, je crois que la go se venge, et alors ça va mieux. Buñuel se refusa... ça vient pas du film, hein. À toute explication d'un chien andalou, se bornant à déclarer « Il s'agit seulement d'un appel au meurtre ». Quatre.